L'actu décalé de ce matin, 21 novembre 2022, sur Matin d'Éden, sur Éden Télévision. Et c'est dans l'actualité, hein, depuis la fin de la semaine écoulée. Ils seront finalement sept partis politiques à participer aux législatives de janvier 2023, puisque le Parti des démocrates, eh bien, réintègre la course suite à son recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Le parti a d'ailleurs reçu, hein, des mains du président de la Sénat, Saka Lafia, son récépissé définitif le samedi dernier. Éric Grondété, président de la dite formation politique, hein, qui précisait que ce récépissé, enfin à l'occasion de la réception de ce récépissé, donc précisait que oui, c'est le récépissé des Béninois, épris de paix, épris de justice, épris d'égalité. Cette, disons, réintégration, cette participation donc du Parti des démocrates change-t-il désormais la donne au niveau des législatives de 2023 pour ce qui est surtout des défis à relever pour les uns et les autres, pour ce qui est des résultats attendus au sortir de ces législatives? On en parle ce matin avec Laurent Roland-Tonekès en plateau, mais également avec vous, amis téléspectateurs. Vous pourrez nous appeler au 96 76 68 68 en temps opportun. Sur la thématique, voici les démocrates aux législatives de 2023. Quel défi pour l'opposition et la mouvance? Laurent, bonjour. Oui, à nouveau bonjour Ahmed Arekpa, à nouveau bonjour aux amis internautes et téléspectateurs. On en parlait en plateau en fin de semaine écoulée, je pense que c'était le jeudi Bien évidemment. notamment, où on parlait de participation de six partis politiques, sauf changement de dernière minute. Eh bien, le changement a eu lieu et le parti, donc les démocrates, réintègre la course, donc comptant pour les législatives de janvier 2023. Cette participation donc du parti Les Démocrates vient-elle changer la donne? Est-ce qu'au travers de cette participation, je vous fais la première question, Laurent Roland-Tonekès, on peut se dire que désormais c'est un tapis rouge qui est dressé pour le parti et par là même pour l'opposition? Je crois que ce n'est pas un tapis rouge. Je crois que ce n'est pas un tapis rouge. Hein. C'est que la volonté de Benoît, c'est que toute la sensibilité aille aux élections. Ce n'est nullement un tapis rouge qu'on dresse à un parti politique. Mais si les partis remplissent les conditions, c'est normal que ces partis participent aux élections. Et donc, on peut se réjouir de ce que sur 8 formations politiques qui sont allées déposer les dossiers, 7 doivent maintenant, peuvent participer aux élections du 8 janvier 2023. C'est déjà une avancée notable. Donc, en dehors de ça, maintenant, il faut voir, oui, dans la faisabilité, comment est-ce que ça va se passer. C'est vrai que cette participation ne doit pas être célébré comme un trophée de guerre pour autant, mais ça doit être un défi pour le Parti des démocrates, bien évidemment aussi, parce qu'ils ont se dit, mais quels sont les... Eh bien, évidemment, le pouvoir en place ne vous donnera pas carte blanche, en tout cas, ne vous facilite ne vous fera pas de faveur. Faveur pour autant en la matière. Et donc, si on en arrive à être à ce niveau, c'est qu'ils doivent aussi suffisamment se poser des questions pour se dire, mais écoutez, que devons-nous faire pour ne pas tomber dans d'autres pièges, bien évidemment, parce qu'ils ne sont pas encore sortis de l'auberge. En tout cas, à mon avis, ils doivent pouvoir davantage se préparer pour peut-être affronter d'autres défis, lesquels défis peuvent être dans la suite du processus, ou le 8 janvier sur le terrain, ou même après le 8 janvier dans la compilation des résultats, où des voix pourraient être invalidées pour une raison ou une autre, bien évidemment. Donc, il y a beaucoup de défis pour eux, déjà à leur niveau d'abord, et c'est à eux maintenant de se prendre au sérieux, parce que le peuple a exprimé un besoin, et c'est vrai, la Cour constitutionnelle a à un moment donné pris la décision, la bonne et la juste décision qui devait faire. Selon vous? Oui, moi je pense que c'est la juste. C'est qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Hein, il y en a qui ne sont pas d'accord parce que. J'estime que c'est du deux poids deux mesures, que c'est une pas manière deux de poids favoriser deux le. Écoutez, il y a une erreur qui a été faite quelque part. La Cour a statué en tenant compte de cette erreur. N'eût été cette erreur, moi je suis. En tout cas. Je veux bien être honnête avec les gens. N'eût été cette erreur, je crois que les démocrates ont fait une erreur, ont gaffé. Moi, je vous dis, dans la même manière, en tout cas, de la même manière où je souhaitais qu'on essaye de voir et de tenir compte de l'erreur de la DGI pour les laisser aller aux élections, de la même manière, j'avais la possibilité de les condamner. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au moment où vous, s'ils avaient l'information et qu'ils s'entêtaient, s'ils s'entêtaient après avoir eu l'information
et en positionnant ceux dont on parle aujourd'hui, je serai le même sur le plateau là à les condamner. Parce qu'il y a d'autres jeunes dans leur formation bien politique. Bien sûr qu'ils auraient pu être positionnés. D'ailleurs, même, on apprend qu'il y a des dizaines de personnes qui les quittent, mais qui ne sont pas positionnées sur les listes. Donc, oui, mais non, puisqu'il y a une erreur. En la matière, il ne suffit pas d'avoir son quitus. Il faut bien évidemment beaucoup d'autres conditions. Beaucoup d'autres conditions. Mmh. Et donc, je crois que en la matière, l'erreur qui a été faite les a favorisées dans certaines mesures. Mmh. Et d'autres personnes pourraient se trouver dans la même situation. C'est vrai qu'en l'état, c'est une jurisprudence qui a été créée. Justement. Et d'autres personnes pourraient utiliser ça plus tard à leur avantage. Mmh. Donc, suivez mon regard. De toute façon, c'est déjà bien que les démocrates aillent aux élections. Les démocrates donc participent désormais aux législatives de janvier 2023. On s'intéresse à l'impact de cette participation, notamment aux défis donc désormais auxquels doivent faire face les formations politiques, tant de l'opposition que de la mouvance présidentielle. Intéressons-nous déjà aux formations politiques de l'opposition, Laurent Roland-Todeniquès. Quel impact cette participation des démocrates peut-elle avoir? Alors déjà, je crois déjà qu'au niveau de même des partis de la mouvance, d'abord, il faut commencer par là. Vous voulez qu'on commence par la mouvance? Oui, je commence par la mouvance d'abord. Parce que pour l'opposition, si c'est ainsi que vous arriverez à nous présenter vos idées. Oui, pour l'opposition, c'est de gros défis. Okay. Pour la mouvance d'abord, je crois que les deux premières formations, en tout cas, qu'on connaît à l'aide de la réflexion du sympathisant, ont beaucoup de travail à faire sur le terrain pour continuer à mériter cette position première et deuxième formation. UPR-BR L'UPR et le BR, bien évidemment. Et donc, c'est pourquoi, c'est vrai que l'UP, entre-temps, étant allé se faire renforcer avec le PADB, évidemment. Il y a du renforcement, d'où le R qui s'est ajouté. Non, je blague. Voilà. Donc, bon, donc, à ce niveau, ils ont beaucoup de choses à faire. Ils doivent pouvoir se mettre au sérieux, au travail, pardon, et considérer que ce n'est plus la situation de 2019 ou 2020. C'est qu'il y a peut-être un adversaire. Désormais, comme qui dirait, ce n'est plus un match amical. Voilà. Et donc, déjà, même là, avant, ils avaient eu comme opposant parti de l'opposition seulement la FCB. La CBE. En 2020, en 2019, il n'y en avait pas eu. Et donc là, maintenant, ils sont face à trois opposants, partis d'opposition. Il y a la FCB, pardon. Il y a le MPL, bien évidemment, et puis les démocrates. Donc, la bataille sera rude sur le terrain. Et le BR, bien évidemment, doit aussi travailler ardemment pour mériter avoir des députés au soir du 8 janvier 2023. C'est pareil pour le Moël Bénin et l'UDBN. L'UDBN, qui a eu 2% en 2020 pour les élections communales, doit pouvoir travailler à renforcer ses acquis en faisant plus d'efforts sur le terrain pour espérer avoir les 10% qu'il faut pour avoir des élus. C'est vrai qu'en l'État, il y a aussi le Moël Bénin qui a aussi des valeurs, qui travaille. Je crois que finalement, ils ont compris qu'il faut travailler silencieusement. Et je crois que, puisque j'ai surpris certaines de leurs équipes en train de travailler discrètement dans certaines zones, je ne citerai pas, mais je sais qu'ils travaillent de façon discrète aujourd'hui pour pouvoir avoir le soutien ou le suffrage des citoyens béninois. Et donc, en l'état, pour la participation des démocrates aujourd'hui constitue une menace pour les partis de la mouvance. C'est-à-dire que tous ceux qui prétendent soutenir Patrice Talon, qui peu ou prou ont été positionnés, en tout cas, puis qui ont obtenu des grâces, des faveurs de Patrice Talon depuis 2016, c'est plus que jamais le moment pour eux de se mettre au travail pour continuer à mériter cette grâce, cette faveur. Vous savez, des gens, je ne vous apprends rien, sont ministres depuis 6 ans, d'accord, mais sont positionnés dans la localité aujourd'hui. C'est plus que jamais le moment pour eux de montrer que oui, écoutez, j'ai été ministre pendant 6 ans, mais en fait, je ne suis pas resté uniquement dans le bureau. Sur le terrain, on me connaît. Et que finalement, pour ça, les gens peuvent me faire confiance. Il y a des gens qui sont DG. On parle politique. Parce que quand on vous nomme ministre, en réalité, c'est. Attention. C'est technique. Mais écoutez, quel qui vous dit que c'est technique? Celui qui. Mais si c'est technique, pourquoi on le met sur la liste? Oui, parce que là, on veut parler politique. Peut le mettre au chapeau. Les résultats qu'on attend sont des résultats techniques. Oui, mais de base. Écoutez, dans une certaine mesure, on ne prend pas un ministre au hasard. Bien sûr, bien sûr. Omeki n'est pas ministre au hasard. C'est parce qu'il a accepté de rassembler les jeunes, cotiser la caution de partisans en 2016. Bien sûr, bien sûr. D'accord. S'il ne l'avait pas fait, ce n'est pas évident qu'il soit ministre pendant 6 ans au gouvernement. Donc, quelque part, on sait qu'il y a des jeunes. La preuve, dans son ministère, il a positionné rien que ces jeunes-là avec qui il a travaillé en 2016. La plupart, je ne dirais pas rien que ces jeunes. Voilà, la plupart, il faut nuancer. Je fais la nuance. Et donc, pour vous dire que dans une certaine mesure, on sait, et aujourd'hui,
troisième sur la liste à Cotonou. Mmh. Donc, il doit pouvoir travailler à mériter. Même s'il y a d'autres forces en présence, on doit pouvoir dire, écoutez, je mouille le maillot, mmh, quelle qu'en soit la situation, je serai élu de ma position, mmh, dans une certaine mesure. Ou tout au moins, ma liste aura au moins deux députés. Bon, je crois qu'il ne se souhaitera pas ça. Il souhaitera être député, bien forcément, évidemment, aussi. Et donc, il y a des gens qui sont députés par concours de circonstances en 2019. C'est plus que jamais le mois pour eux. Ce que d'aucuns appellent les députés nommés. Donc, concours de circonstances en 2019. Et aujourd'hui, ils ont eu l'argent pendant, excusez, oui, 3 ans. Mm-hmm. Leurs suppléants aussi, qui, pour la première fois, ont pu avoir les 400 000 francs par mois. Mm-hmm. Donc, qui aujourd'hui sont positionnés, il y en a qui sont titulaires. Et donc, toutes ces personnes, je crois que dans une certaine mesure, doit pouvoir suffisamment monter à Patrice Talon qu'ils méritent ce que les faveurs qu'ils ont pu obtenir depuis 6 ans. Mmh. D'accord? Et donc, c'est un gros défi pour ces formations qui soutiennent Patrice Talon. Mmh. Je parle notamment de l'UPR et le BR qui, en réalité, qui sont les majoritaires à bénéficier des faveurs, des grâces de Patrice Talon depuis 2016. Bien sûr. Mais après ça, on parlera du Moël Bénin, ouais, avec Aladji qui est de l'autre côté. On parlera de l'UDBN, la présidente qui, mmh, est présidente nationale, l'Institut de la femme, bien évidemment. Donc, peu ou prou, il y a l'une des pièces maîtresses de l'UDBN qui est préfet du département de l'OMA. Et donc, bien évidemment, sur le terrain, faire en sorte que toutes ces formations politiques puissent avoir des députés pour que la mouvance s'en sorte avec la majorité des députés de l'Assemblée nationale, mmh, c'est un gros défi, un énorme défi qu'il doit pouvoir travailler à relever. Et donc, déjà, les guerres internes au sein de la mouvance doivent pouvoir cesser. Et même si on veut aller sur le terrain, c'est parce qu'on veut se faire élire, on doit pouvoir éviter d'avoir des discours qui divisent. Mmh. Parce que quand vous êtes de la même famille que sur le terrain, vous vous divisez, vous vous mettez en spectacle et les gens qui vous observent ont suffisamment d'éléments pour juger, pour aller vers d'autres personnes, d'autres familles politiques. Donc, au niveau de la mouvance, il doit pouvoir travailler, même si c'est pour des objectifs différents, mais avoir une certaine symbiose dans le discours qui ne pourrait pas avoir de conséquences sur les résultats. D'accord. Un mot par rapport à l'opposition, avant qu'on ouvre l'antenne. Alors, pour l'opposition, je voudrais peut-être rappeler que... Vous estimez que là, les défis sont grands? Les défis sont grands d'abord, mm-hmm, parce qu'il y a 3 formations politiques qui vont aux élections. Mm-hmm. Il y a une formation politique qui a participé aux élections en 2019 et 2021, mm-hmm, qui, en tout cas, a donné le chef de file d'opposition, la FCBE. Oui. Et donc, aujourd'hui, il y a le MPL qui s'invite dans la danse, bien évidemment, et qui dit qu'il y a un parti de l'opposition. Mmh. De toute façon, on ne remet pas en cause leur déclaration. On considère qu'ils sont partis de l'opposition. Il y a les démocrates aujourd'hui qui, réellement, à un moment donné, se prennent pour, en tout cas, les plus forts qui pourraient venir renverser, mmh, en tout cas, la donne, changer la donne. Qui estiment être le principal parti d'opposition. Voilà. Apprécié par les populations, oui, dans certaines mesures. Mais à ce niveau, c'est que le MPL qui... C'est l'occasion de juger justement tout ça, enfin de se faire une idée réelle de tout ça. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, je dirais que d'abord, Expérience TB a beaucoup d'efforts à faire. L'MPL. Parce que, oui, voilà, pour montrer que réellement, ils sont de l'opposition et que les jeunes réellement sont de l'opposition et que les jeunes les accompagnent, bien évidemment. C'est le défi à ce niveau. Mm-hmm. Mais le gros défi aussi, c'est... Qui réussira à être chef de file d'opposition? Parce que ces élections pourraient justement... Oui, parce que la loi, numéro 2019-45 du 25 novembre 2019, portant statut d'opposition en République du Bénin, et en son article, le titre 3, l'article 7, qui dit, est considéré comme chef de file de l'opposition... Mmh. Tout chef d'un parti politique d'opposition dont le nombre de députés à l'Assemblée nationale constitue de façon autonome un groupe parlementaire. Okay. Bon, je vais pas rapidement aller au niveau de l'article 8, mm-hmm, carrément. Est chef de file de l'opposition, le chef du parti politique déclaré de l'opposition ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale à l'occasion des dernières élections législatives. D'accord. Et donc, c'est un défi pour les 3 formations, mm-hmm, démocrate, FCBE, et UPMPL. Le siège de Paul Rumpet est désormais menacé. Est déjà désormais menacé. En tout cas, comme CFO. En cas d'égalité du nombre de députés, le chef de file d'opposition est le chef du parti politique déclaré de l'opposition ayant le plus grand nombre d'élus communaux
à l'occasion des dernières élections communales. Donc là, si les démocrates et la FCB en arrivaient à avoir les matchs nuls, c'est que Paul Rumbert continue d'être chef de file d'opposition. Mais si il en arrivait que les démocrates avaient la majorité, c'est que Éric Ondeté deviendra chef de file de l'opposition en tant que président du Parti des démocrates. Et c'est peut-être je suppose que c'est peut-être pour ça, parce que j'ai appris qu'il n'est pas candidat, jusqu'à là, on n'a pas encore vu la liste. Oui, et donc, la liste devrait être disponible selon les indices, enfin les informations qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas de candidat. Parce qu'en réalité, qu'ils vous souviennent qu'on a fait le procès de ce que, en fait, Paul Rumbert, chef de file d'opposition, n'avait pas réussi à être même chef du conseil communal chez lui, mais qu'il se retrouve chef de file d'opposition. Et lui, d'ailleurs, même qui aujourd'hui... Il n'a pas été reçu par... Lui qui, d'ailleurs, aujourd'hui, donne rendez-vous aux formations politiques sur le terrain. Je continue de lire une autre partie de la loi qui dit... En cas d'absence de représentation de l'opposition à l'Assemblée nationale, est désigné chef de file d'opposition, le chef du parti de l'opposition ayant obtenu le plus grand nombre d'élus comme le bon. Je crois que j'ai dit à lui ça. Donc, avec Paul Rumbert. Le chef de file d'opposition est nommé par décret en conseil des ministres sous supervision du conseil électoral, conseil électoral de la commission électorale nationale autonome. Et donc, je crois que Paul Rumbert a des soucis à se faire. Si en réalité, les démocrates en arrivaient réellement à avoir beaucoup de députés, c'est que d'office, il perd son poste. Chef de file de l'opposition dans une certaine ville. Si Éric Ondeté n'est pas candidat, je crois que c'est assez sage de sa part, parce que pourquoi? Un chef de file de l'opposition, sage de sa part, si en temps il était, puisqu'il a toujours été candidat dans la 5e. Et on sait qu'au fil du temps, sa popularité a chuté un peu. C'est vrai que son suppléant éternel, Jules Le Duc, qui arrivait à faire carton plein à Toffort et autres, est encore là. Mais il y a d'autres forces en présence à Toffort aujourd'hui. Donc, les résultats peuvent ne pas être les mêmes. Et donc, en tant que chef de file d'opposition, il pourrait peut-être échouer à une élection. Et le même procès qu'on fait à Paul Rumbert, qui n'a pas réussi à être conseiller communal chez lui, peut lui être fait dans une certaine mesure. Donc, un chef de file d'opposition, peut-être, qui se met hors du jeu, laisse les autres aller au charbon, ils finissent d'amener les résultats, et puis lui, il vient bénéficier dans une certaine mesure. D'accord. Je voulais vous parler d'un sondage réalisé par un institut, African Web Opinion Institute, qui a fait un sondage par rapport aux législatives et qui propose essentiellement ceci. Enfin, vous y accordez du crédit ou pas, 27 députés pour l'UPR. Pour le BR, 24 députés. Pour les démocrates, 24 députés. Pour Moël Bénin, 11 députés. Donc ici, il y a des précisions. On se demande bien pourquoi. Un pour un dans la 16e, un dans la 9e, un dans la 15e. La FCB, 4 députés. Et donc, il y a 10 postes de députés qui sont en ballotage. 10 en ballotage, donc l'UDBN et l'UPN. C'est pas un ballotage d'office, parce qu'il n'y a pas de député au prorata des suffrages. C'est quand il n'y a pas, quand aucune formation politique n'a les 10%, que les sièges seront attribués au prorata des suffrages obtenus. Donc, place partagée entre les autres. Si en réalité ces formations ont ces résultats, c'est supposé que ces formations ont peut-être réussi à avoir les 10% de cette mesure. Et donc, ça veut dire que ça ne va pas être en ballotage pour les autres formations politiques. D'accord. Bon, moi, je crois que. Pour moi, c'est. Enfin, quand on suit ce sondage, on se rend compte que le BR et les démocrates ont le même nombre de députés, en fait. Merci à Marcel d'avoir anticipé sur la chose. Bonjour, bienvenue. Oui, c'est Machoudi à Semenkoni. Ah oui. L'ami Machoudi de Semen, on vous écoute. Oui, merci pour ce que vous faites pour le pays. Merci. Oui. Pour les démocrates, c'est un grand joie qui veulent participer à l'élection. N'est-ce pas? Oui. Pour la mouvement, c'est maintenant on va voir la vraie proposition. Oui. Donc, il était bon aussi ce qu'ils ont fait la Cour constitutionnelle. Au moins, ça m'a appelé le 15 du tour, le mois beau, par exemple. Mais là, les démocrates, il ne faut pas qu'ils vont croiser les bras aussi. Mais ils ont fait tout possible pour pouvoir voir une norme, le principal norme à l'Assemblée. Sinon, aussi, il y a encore fait. Maintenant, même s'il y a des propositions, même à faire quoi. N'est-ce pas? Ok. Donc, merci pour tout ce que vous faites aussi. Merci, monsieur Machiudi. Bonne suite de journée à vous à Semenkoni.
La libre antenne, donc c'est bon, 96 116 68 68, 96 116 68 68, c'est une petite piqûre de rappel de la part de Marcel, merci. Ce que je sais, c'est que l'UPR et le BR ne sont pas d'accord avec ce sondage. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, quand vous suivez certains de l'UP, ils vous disent qu'ils peuvent aller jusqu'à avoir 5 députés dans la 6e circonscription électorale. Je crois que c'est un rêve. Ça me semble être un rêve d'enfant pour moi, parce que quand je regarde les forces en présence, je crois qu'il doit pouvoir avoir du mettre du bémol dans ce qu'ils disent et se mettre véritablement au travail. Je crois, et comme je l'ai dit, ils ont maintenant l'occasion de se mettre en valeur et de montrer à Patrice Salon qu'ils méritent sa place aussi. Ce qu'ils valent réellement. Et il doit pouvoir, et ça lui permettra de savoir s'il peut compter sur ces personnes pour préparer 2026. Pour sa succession. Oui, sa succession. 96, 116, 68, 68. 96, 116, 68, 68, c'est le numéro donc à composer pour venir réagir par rapport à la thématique. Les démocrates aux législatives de 2023, quel défi pour l'opposition et la mouvance. Puisque vous le savez, le parti réintègre la course pour les législatives de 2023. Je vais parler du parti LD, les démocrates. Du coup, quel impact est-ce que cette participation aura sur les prochaines législatives? Quel défi désormais pour les partis de l'opposition comme ceux de la mouvance? Laurent Roland-Tony, qui est son plateau, nous livrera un peu son analyse sur le sujet, sur la question à l'en croire, eh bien, au niveau de la mouvance. Oui, un défi de taille quand même, puisque là, l'opposition est fortement représentée, on peut le dire, pour ces législatives. Donc, ce sera vraiment le moment de montrer quel poids est-ce que les deux formations traditionnelles, disons la chose ainsi, du régime de la République, ont donc dans la réalité. L'expérience TB et Éric Moulété, un défi. Travailler, avoir beaucoup plus de députés pour pouvoir prendre la place de Paul Rumpuy. De Paul Rumpuy, si ça c'est au niveau donc de l'opposition. Même si Paul Rumpuy n'a pas encore réussi à avoir tous ses attributs, il n'a pas bénéficié en tant que tel de son titre de chef de file d'opposition. Donc, tout au moins, ils porteront le titre dans une certaine mesure. C'est le 96 116 68 68, donc 96 116 68 68, réintégration de démocrates à la course aux législatives, puis impact sur donc ces législatives. 96 116 68 68 pour vos appels, pour vos réactions. Monsieur Machioudi qui nous a appelé de Semekoudi tout à l'heure, qui se félicitait déjà de la participation du Parti des démocrates aux prochaines législatives, remerciant la Cour pour, eh bien, on va dire, le verdict donné en faveur du Parti des démocrates, puis invitant justement à la fois le Parti des démocrates, puis les autres formations politiques, à vraiment mouiller le maillot pour que, comme on a coutume de le dire, au soir du 8 janvier 2023, on puisse célébrer dans la liesse populaire la victoire des uns et des autres. Au-delà de tout, ce sera une victoire pour le Bénin. Bonjour, bienvenue. Il est reparti. 96 116 68 68, c'est le numéro. 96 116 68 68. Donc oui, au niveau de l'opposition, Laurent Roland-Tonéikès, il y a le poste de chef de file de l'opposition qui est en jeu, mine de rien. Est-ce qu'on a quelqu'un? Si oui, on le reçoit. Peut-être un souci sur la ligne qu'il faut voir. Je crois que donc, du côté de l'opposition, le poste de chef du l'opposition et de CFO est en jeu. Oui, c'est un défi pour les autres formations démocrates et expérience TB, MPL de travailler pour espérer avoir cette position de chef de file d'opposition. Donc, Paul Rumpuy a des soucis à se faire, il doit pouvoir travailler dur. Et bien évidemment, du côté de la mouvance, comme je l'ai dit, ils ont un gros défi, c'est de prouver qu'ils méritent leur position. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes comment vous portez? Ça va. Ok. C'est monsieur Degbedi Gilbert. Okay. Monsieur Gilbert Degbedi, vous appelez d'où? De toujours Semain. Semain, d'accord. On vous écoute. On vous écoute. Oui. Il ne faut pas savoir que maintenant c'est une chance pour vous, parce que le peuple de la Cambodge est plus.
Donc, si le cas s'apprête, et puis on va voir ce que ça va donner. D'accord. D'accord. Merci, M. Gilbert, pour l'appel. Oui, une invite à l'endroit du parti Les Démocrates, mais c'est je crois que c'est vrai qu'il faut je crois que dire. Les Démocrates ne doivent pas trop se réjouir en suivant les téléspectateurs ou les Noirs parler. La majorité est assez silencieuse. La majorité, c'est vrai que pour une fois, on peut espérer avoir un taux de participation assez élevé, mais la majorité est assez silencieuse. Et donc, on ne sait pas ce à quoi pensent certains Béninois, bien évidemment. Il y a des gens qui, très silencieusement, iront voter pour l'UPR ou le BR ou le WOL, le Bénin le jour là, parce qu'en réalité, ils estiment que c'est un soutien de Patrice Talon, que Patrice Talon a eu des résultats sur le terrain. Et bien, il y en a qui diront, mais écoutez, on a vu les démocrates par le passé, en tout cas, la majorité, pas mieux, ils ont servi Boni Yayi, et qu'on a vu les résultats. Et donc, silencieusement, ils iront faire leur... Quand on sait que... Qu'au soit justement de 2016, le régime de Boni Yayi, que ce soit celui du changement ou de la refondation, a été quasiment vomi au profit du régime de la rupture. Il est tout à fait normal qu'on fasse ce genre d'analyse justement et qu'on se demande si finalement cette participation, ce sera la première des démocrates à des jours électorales depuis l'avènement du régime de la rupture. N'oublions pas ce qui s'est passé en 2015. Mm-hmm. 2015, l'élection législative de 2015, personne ne pensait que, ne savait que Boni Yayi aurait pu avoir beaucoup de députés, bien évidemment, malgré tout le boucan qu'on a pu observer dans le pays. Donc, je crois qu'on peut avoir aussi longtemps qu'on le veut, en tout cas, le boucan politique, dans une certaine mesure, on peut être surpris par les résultats des urnes. C'est dans les urnes que les résultats... Donc, c'est pourquoi toute formation politique qui va aux élections cette année doit pouvoir aller sur le terrain de travail véritablement. Le résultat, le travail ne se fera pas à la une des journaux. Et je le dis en toute sincérité, il faut que les partis comprennent. Le résultat, ce n'est pas la une des journaux. Ce n'est pas être à la une des journaux tous les matins. Les journalistes prendront leur sous, vont vivre. C'est vrai, je ne suis pas contre les journalistes, mais je suis journaliste dans une certaine mesure. Mais je dis... Le résultat, c'est sur le terrain. Allez voir les populations. Les fonds que vous allez mettre à communiquer abondamment pour avoir peut-être un peu de suffrage dans les urnes, mettez les fonds là, allez parcourir le terrain. Allez voir les populations. Dites-leur ce que vous voulez faire à l'Assemblée nationale. Même si vous êtes soutien du pouvoir en place et que vous estimez tel que les choses se sont passées de 2019 à aujourd'hui, ce n'est pas bon, est-ce que vous pouvez apporter une correction? Allez dire ça aux populations. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, comment vous allez? Ça va, vous nous appelez d'où? Présentez-vous. Oui, vous nous appelez, vous présentez-vous. Oui, vous appelez Victor. D'accord. Présentez-vous. Votre nom. Théophile. Monsieur Théophile, on vous écoute. Juste pour apporter une précision, c'est juste pour vous dire que c'est maintenant que la démocratie marche correctement au Bénin. Puisque les démocrates, je ne dis pas seulement les démocrates, ils veulent apporter leur vie à l'édifice. D'accord. Parce que le son de corse, là, ça ne marche pas. D'accord. Mais le fond doit rien, pour nous pas rien. D'accord. Pour en parler à moi. Donc, il y a un bon temps, il y a un bon temps, il y a un bon temps. Merci beaucoup. D'accord. C'est ça qui est très bon. Nous, j'ai salué vraiment la vision de la Cour constitutionnelle. J'ai salué tout le Bénin. C'est tout le Bénin qui a gagné. N'est-ce pas? Le Bénin a gagné, les démocrates aussi ont gagné. Ça, c'est leur voix qui. Je salue le Bénin pour la vivacité de la démocratie au Bénin. Merci beaucoup. Merci, monsieur Théophile. 28 de journée à vous à Tori. Je crois que ce qui se fait comme débat sur la participation des démocrates, c'est sans animosité. Contrairement à ceux qui penseraient que ceux qui militent pour la participation de toutes les sensibilités politiques sont des opposants, c'est une erreur de penser que ceux qui pensent que tout le monde doit aller aux élections, pour qu'on puisse savoir qui est qui, sont des opposants, c'est une erreur. C'est comme si en réalité, on est contre... les différences. On doit pouvoir permettre à chacun de se mettre dans la balance, se mesurer par rapport aux autres. Et au terme de cette compétition, les gens doivent suffisamment se respecter. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de compétition, on ne saura pas qui est fort et qui est faible, il n'y aura pas de respect. Dans une certaine mesure. Donc, je pense qu'on a dépassé quand même cette étape. Bien évidemment. On y est. Donc là, évidemment, il s'agit pour les uns et les autres de faire face
aux défis qui sont les leurs. Donc, je crois que c'est très important. Chaque formation doit pouvoir travailler sur le terrain. Allez voir les populations. Dites-leur ce que vous voulez, ce que vos députés iront faire à l'Assemblée nationale. Si les populations se sentent en sécurité avec ce que vous dites, ils voteront pour vous. Forcément. Que vous soyez UPR, que vous soyez BR, que vous soyez Moël Bénin, UDBN, que vous soyez MPL, démocrate ou FCB. Bonjour, bienvenue. Oui, allez-y, oui, monsieur. Monsieur, diminuez le volume de votre poste téléviseur, puis présentez-vous. Allô? Oui, allez-y. Oui, c'était pour intervenir sur l'émission qui se passe là. Allez-y, allez-y. Oui, je veux dire que... mon point de vue. Oui, présentez-vous, monsieur. Présentez-vous et diminuez le volume de votre poste téléviseur. On s'entendra mieux, monsieur, s'il vous plaît. Il ne nous suit pas. Diminuez le volume de votre poste téléviseur. On s'entendra mieux. Et après, présentez-vous, monsieur. 96, 76, 68, 68. À chaque fois que vous nous appelez, prenez le soin de diminuer le volume de votre poste téléviseur. Autrement, on ne s'entendra pas bien. Et après, donc, prenez également le soin de vous présenter. C'est très important. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, vous nous appelez d'où? Présentez-vous. Bonjour, Abed Arefa, bonjour, Roland Tonne Ikes. Roland Laurent Tonne Ikes, oui. Merci de vous présenter, monsieur. Monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. On m'appelle Jonas Dansou de Dambo. Pardon? Monsieur Dansou de Dambo. Oui, Dansou, ok. Jonas Dansou. De Dambo, oui. On vous écoute. D'accord. Oui, c'est maintenant que nous allons nous évaluer, les gens vont les partir, nous évaluer sur le terrain. Pour voir de quoi on va voir, de quoi ils sont capables. D'accord. Parce que nous avons toujours les deux parties, la mouvance, l'UPR et le BR. Les gens doivent se dire que ce qui n'arrive qu'on a eu depuis là, D'accord. Et parce que vous devez savoir que les positionnements qu'il y a eu sur les listes là ont créé des mécontentements. C'est tout à fait normal. Les gens peuvent faire des réflexions pour aller dans d'autres parties, pour aller faire des choses là-bas. Pour aller accorder le suffrage aux démocrates ou bien. En tout cas, à d'autres formations en tout cas. À d'autres formations politiques. Oui, oui. Maintenant, chacun d'eux a dû faire sur la planche. Si les élections sont vraiment ouvertes là. Oui. Elles le sont déjà. Bon, Elles le sont déjà. Monsieur. Déjà maintenant, à la fin là. Oui. Que nous saurons que, quand on va dénombrer là, que nous saurons que nous sommes vraiment en démocratie. Monsieur Dansou, pensez-vous, comme le disait Laurent en plateau tout à l'heure, que Paul Rumpin, en tant que chef de file de l'opposition, a des soucis à se faire? Il a des soucis à se faire, parce que là où on est là, oui. Parce que les autres n'étaient pas allés aux élections, c'est pour cela qu'il a eu la chance de se maintenir jusque-là. Les démocrates sont dans la balance, ils doivent batailler seuls pour se maintenir. Les démocrates aussi, eux aussi, ne doivent pas avoir le quitté d'aller... Aller dormir, se reposer. Un travail sur le terrain. Merci, Monsieur Jonas Dansou de Dambo. Salut à tout Dambo à l'écoute en ce moment. Alors, je lis beaucoup d'enthousiasme, mais il faut préciser quand même que c'est une première participation pour les démocrates. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup entendu parler, on a beaucoup parlé jusque-là, mais c'est une première que ce parti aille dans le concret. Oui, c'est une première. Bonjour, Oui, bonjour, monsieur. Un tout dernier intervenant. Bonjour, bienvenue. C'est Nabil Touré. Monsieur Nabil Touré, vous appelez oui, d'où? Oui, le cadet de l'Ocoa.
Rose-Croix, c'est où? Oui, Parakou. Parakou, d'accord. Oui. Banikani, Rose-Croix. On vous écoute. Oui. Oui, la participation du Parti des démocrates à l'élection législative, moi je trouve que c'est une avancée démocratique dans le pays. D'accord. Mais ils ne sont pas le seul parti d'opposition. C'est une avancée politique, quoi. Je souhaite maintenant, c'est les associés et les ouvriers et les opposants pour créer un vrai développement. Ok. Ce n'est pas que ça allait arriver maintenant qu'on a dit que le pays a commis un sous-développement par rapport à l'actif passé. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Oui. Bien sûr. Voilà. Pour moi, les gars s'associer, nous pouvons nous mouvancier pour qu'il y ait un vrai développement, pour que le pays ne sache même pas qu'il y a une position qui a mouvance. Parce que moi, je demande à faire des parties là. D'accord. Merci, monsieur Nabil Touré. Bonne suite de journée à vous. Que l'intérêt donc supérieur de la nation prime. Il faut préciser que les gens ont tendance à se comporter comme si les démocrates étaient le seul parti d'opposition. Je dis, il y avait le MPL, même si on avait à 10 sur la position de la FCBE. Oui, dans la FCBE aussi est un parti de l'opposition. Oui, je crois qu'à ce niveau, les gens ont peut-être suffisamment de raisons de ne pas pour autant faire foi à cette formation politique, mais c'est une formation qui se déclare être de l'opposition. Absolument. Il y a le MPL qui est de l'opposition. Donc, oui, d'accord, aujourd'hui, vous avez la multitude de choix, hein, démocrate, MPL, FCBE. Voilà. Et du côté de la mouvance, vous avez UDBN, Moël Béné, UPR et BR, bien évidemment. Les Béninois sont libres de choisir qui ils veulent, mais le gros défi, c'est de travailler parce que les démocrates, leur présence dans le jeu peut tout changer. Peut tout changer et va très certainement, en tout cas, changer beaucoup de choses. S'ils se mettent au travail. S'ils travaillent. Parce qu'on a beaucoup parlé, mais là, c'est du concret. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut prouver qu'on a réellement un poids dans l'arène politique béninoise. C'était l'actu décalé de ce jour. Merci à vous, Laurent Roland-Toninkès. Merci à M. Machioudi, M. Gilbert, M. Théophile, M. Dansou, M. Nabil et à tous les autres qui ont tenté la ligne et qui ne l'ont peut-être pas obtenu. Stop et fin de Matin d'Éden de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plaisant au ciel. Bonne suite de journée à chacun et à tous.